Un livre vomi, ont-ils décrété à propos de pseudo ? C'était mon troisième ajar et déjà la fameuse critique « Partez en guerre ». Je ressens comme une obligation vers moi-même de dire ce que je suis en réalité. Cette fringale de vie, ces contradictions entre l'aviateur, le diplomate, l'écrivain, le soi-disant homme à femme. Ce désir inextinguible de me renouveler, d'être quelqu'un d'autre, a pu en surprendre certains. Peut-être est-il temps de m'expliquer. La naissance d'Émile Ajar ne peut-elle aboutir qu'à la mort de Romain Gary ? Suis-je jaloux de la renommée dont je me suis privé ? Sur le plan littéraire, j'ai peut-être réussi au-delà de mes espérances. J'ai reçu 2 fois le prix Goncourt. J'ai tourné en dérision la critique parisienne. Et j'ai gagné beaucoup d'argent. Sur le plan personnel, je suis tout à fait conscient d'avoir raté ma vie.